Comment allez-vous? Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 15e épisode de Evolution of Minecraft. Et cette fois-ci, on va changer de version, l'alpha 1.0.11. Donc oui, j'avais beaucoup de RR de prévu. Sauf que maintenant, on va enfin pouvoir se concentrer et continuer notre survie qui s'annonce, qui n'est pas prête de se terminer. Et du coup, pour le 15e épisode, on va, comme la nouvelle version 1.0.11, eh ben, on va aller dans un nouveau monde en fait pour découvrir de nouvelles choses. Vous allez voir, ça va être assez incroyable. On va pas aller dans les autres mondes parce que ça, parce qu'il y a des bugs. Donc, on va aller dans un nouveau monde que j'ai trouvé et il est parfait. Donc, on va y aller dessus et voilà. Ok, j'ai déjà une pousse. Super. Alors là, vous allez voir pas mal de choses qui vont changer, comme les vaches. Et voilà. Donc premier ajout, les vaches. Et évidemment, c'était vraiment ce qu'il nous fallait. Donc en fait, on va d'abord tuer les vaches. Alors les vaches, ouais, on peut les tuer de toute façon. Il n'y a pas encore les. Mais en fait, de base, les vaches, voilà, ils donnent du cuir et le cuir se stack à l'époque. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, oui. Donc il y a aussi la canne à sucre, mais ça, on verra, on traitera plutôt dans les autres vers dans les prochaines versions, dans les prochains épisodes. Là aujourd'hui, notre but justement, ça de faire genre une petite survie rapide pour la version, ouais, la 15e version, où cette fois-ci nous allons se concentrer sur les vaches. Donc on va commencer à prendre du bois. Donc oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi des grands arbres et ça va être mais juste génial. Du coup, en fait, je vous propose de ouais, je prends un peu de bois pour commencer. Je vous propose, je vais d'abord faire les trucs de base, le minage et tout ça, et on se retrouve dès que j'aurai fait ce que je voudrais. A plus. Ok. Alors, ouais, j'ai déjà dû faire. C'est assez incroyable. Je sais pas d'ailleurs quelle est cette chatte. En tout cas, je suis certain que dans les anciennes versions, la côté de miner en fer, elle a toujours resté comme ça, donc c'était un peu bizarre, mais bon. Allez, on se retrouve plus tard. Donc ouais, on va prendre un peu de côtelettes, évidemment, parce qu'on en a besoin. Évidemment, celle-là, il veut pas dropper. Mais voilà quoi, on va essayer de tuer en fait le plus de vaches possible. En fait, attendez, c'est une blague ou quoi? Ah ok, donc les vaches en deux coups, elles meurent avec une épée en bois, avec une épée en pierre. Waouh, on a de la chance, on a de la chance les amis. Nous avons beaucoup de vaches là. Voilà, c'est un peu ça le nouvel ajout. Et ça, j'adore. C'est juste extraordinaire. Attendez, venez, venez, bébête. Ok, là, on va se faire la masse de cuir parce qu'on aura besoin de beaucoup de cuir en fait. Parce qu'en fait, qui dit cuir dit forcément ajout, n'est-ce pas? De nouvelles choses en fait. Alors pourquoi là j'ai que 5 cuir donc ça va pas aller, hein? Donne-moi du cuir, allez. Un sixième. Toi, tu vas me donner du cuir, la petite vache, la vachette là. Allez, allez, on se dépêche. 6 cuirs, pas énorme, énorme, mais ça passe. 8 cuirs, ça passe. Bon, alors on va visiter un peu l'endroit. Et puis, on verra plus tard en fait ce qu'on va pouvoir faire. Parce qu'en fait, je pense que tout se portera en fait principalement sur le cuir cet épisode. Donc voilà, on va se faire voilà, on va faire un peu des outils en plus. Et voilà. Du coup, petite ellipse et je reviendrai après. Ok, les amis, nous avons encore des vaches à disposition. Et ça, c'est très bien. Donc, il va falloir en fait beaucoup de cuir. Je pense qu'on va farmer le cuir en fait, ça dépend, mais. En fait, dès que je trouve des vaches, je vais vous montrer les scènes où je tue des vaches. 13 cuir, c'est parfait. Waouh! Nickel en fait, parce que comme ça, c'est. Si on a encore. Tant qu'on a de la chance. Oh yes! Nickel! Et la dernière. Parce qu'en fait, je pourrais vous montrer en fait tout ce que je voudrais en fait. Nice. Parce qu'en fait. Bon, écoutez, on va faire directement. Je vais vous montrer un peu déjà les bases. Alors, il y avait les armures en cuir. Tadam! Oh, c'est magnifique, ne trouvez pas. Donc, il y avait les plastrons, les bottes aussi, je crois. Et le casque, évidemment. Il ne manque plus que cette cuir, nickel. Du coup, ça va être très très beau. On est très très beau avec nos skins, hein. Du coup, ça va nous donner un nouveau look en plus. Allez, plus que cette cuir. Et on aura fini. J'aurais fini de vous montrer l'armure en cuir. Allez, à plus. Vache en vue, vache en vue, vache en vue, tuons, 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 tuer, tuer, tuer. Je vais tuer toutes les bêtes qu'il y a. Ok, bon, c'est là, les abandonnés, bon. Ok, bah, 4 vaches. Pour ça que c'est possible qu'on pourrait avoir genre 7 cuir ou pas. Je suis confiant, je pense. Ça fait 1. Là, ça fait 0. Aïe, aïe, aïe. 0,5 cuir. Ah.
0,6 barres périodiques. Ça nous fait 0,3 cuirs par 4 vaches. Donc 0,75 cuirs coûte une vache, dommage. Bah avec du cuir, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en fait? Je pense que à part les armures, on pouvait rien faire à l'époque. Donc voilà, on va essayer de retrouver des vaches. Ah bah il y en a encore deux derrière. Ah j'ai pas vu. Bon bah c'est bon, on les a notre. Attends, il nous faut 4 derniers cuirs. Donc je pense que. Ouais, les vaches où elles spawnent, c'était vraiment la health à l'époque, si j'ai envie de dire ça. Ok, donc là il y avait rien du tout. Je suis extrêmement déçu. Celle-là elle a rien donné non plus. Extrêmement déçu aussi. Mais bon, alors je veux juste savoir un truc. Est-ce que les lits ont été. Je pense pas en fait, mais. Ok, donc je suis juste revenu ici pour du cuir inutile. Bon, allez. Re-ellipse. Ok, alors les dernières vaches juste avant la nuit. Donc c'est parfait. Venez, venez, petit, 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 petit. Je veux du cuir. I want cuir. Est-ce que celle-là, elle peut donner une deux encore ou pas? Ok, nickel. Donc voilà ce qu'on peut faire, les amis. C'est bon, on a notre armure full cuir. Nickel, parfait. Donc voilà ce que je voulais montrer, hein, c'est les vaches déjà, le cuir et armure en cuir, full cuir. Donc nickel, on a réussi un peu en 10 minutes, temps record. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est les seaux de lait. Et oui, ajout des seaux de lait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une caverne, s'enfoncer dessus et trouver du seau de lait en fait, tout simplement. Et après, je pense qu'on aura terminé avec ce que je voulais faire aujourd'hui. Ok, nous voici dans notre petit trou à rats. On a enfin trouvé du charbon. Ouais, il manque plus que le fer. Et on aura rempli notre objectif. Je pense qu'au lever du soleil, on va retourner voir s'il n'y a pas des vaches. J'ai besoin de vachettes, moi, pour du lait. Et puis voilà quoi. Si on trouve une caverne, c'est encore mieux. Et puis voilà quoi. Je pense que les sauts de lait, on pouvait boire, mais j'en étais pas si sûr. Mais bon. Du coup, ellipse. Et puis voilà. Ok, nous avons trouvé une caverne. Essayons de pas mourir. Pourquoi faut-il toujours que je tombe sur une source de lave? Mais dangereuse. Non, c'est bon. Ah, oh, j'aurais préféré trouver encore autre chose, mais en fait, non, j'ai pas. Ah, y a pas grand-chose hein, dans cette caverne. Choqué les su. Bon allez, un dernier fer et puis ce sera ok. Ok, bon bah voilà. C'était efficace, je dirais. On va se faire une épée en fer. Ou quoique une pioche en fer, j'en sais rien du tout. Du coup j'ai fait trois poches, trois pioches pour rien. Du coup bah, c'est parti, on va se faire un four, on va tout cuire. Voilà, on avait besoin du fer, hein, évidemment. Alors, je profite de cette petite pause pour vous parler d'un nouveau ajout aussi. Voilà, ne pas oublier. Il y a aussi les slimes qui ont été ajoutés. Du coup, si on arrive à remonter assez vite à la surface et qu'on peut trouver, ouais, ce genre de et qu'on peut trouver ces slimes, eh ben, moi je dis pas non. Parce que comme ça, on peut trouver des slimes, on peut les combattre même. Puis voilà, parce que c'est aussi un nouvel ajout. C'était en fait l'ajout de base, c'était principalement les mobs, le slime et puis la vache. C'est quand même une énorme révolution pour cette version. Et c'était bah, vraiment sympa quoi. Du coup, on va se faire un saut. Donc je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler hein, comment on fait pour. Bon, ça, j'ai pas besoin, ça, on s'en bat les couilles. Ça, on garde, on sait jamais. Mais c'est surtout ça, on s'en bat les couilles. Alors, un dernier. Voilà, et ça, le fer, on le laissera ici. Pour moi, ça me suffit largement. Ouais, je laisse tout. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire de toute manière? Voilà, on va vite remonter, du coup. Ouais, donc ouais, je suis vraiment allé comme un quoi. Je suis allé YOLO, moi. Parce que je voulais absolument me dépêcher. En fait, c'était assez rapide, en fait, à l'époque, quand on montait, en fait. Alors, on va vite remonter. Le plus rapidement possible. J'espère que c'est encore la nuit, comme ça on peut profiter de. C'est la nuit, la réponse est. What? Non, c'est la jour. Merde. Dommage.
Dommage, dommage. Bon, maintenant il faut trouver une vache. Priorité numéro 1. Et il y en a une, comme par magie. Et il y a aussi les moutons. Alors, on fait un clairon sur la vache et on obtient du lait. C'est super, n'est-ce pas? À quoi se servait le lait? Je sais pas, mais moi je sais pas en fait. C'est bizarre, mais bon, je me comprends pourquoi en fait. En fait, de base, le lait, il servait peut-être à donner à boire aux moutons. Non, je pense pas. Non, non, non. Je m'invente des mots en fait. Mais voilà quoi. Du coup, on a fait un peu les objectifs que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il reste plus que les slimes. Les slimes, je sais pas si on pourra en trouver. Mais voilà quoi. On a quand même réussi à faire un truc pas mal. Alors, je regarde juste si le lit a été fait à l'époque. Non, le lit n'a toujours pas été fait. Je me demande quand ce sera le lit, mais. Mais voilà quoi. Ouais, on verra, on verra. Du coup, ouais. Ajout, c'était les slimes et puis les boules de slime, bien entendu, quand on les tape. Et ce qu'on va faire, les amis, c'est que on va. Je vais quitter. Je verrai qu'encore une deuxième partie. En espérant trouver des slimes. Et voilà. Du coup, bah, à plus. Et merci d'avoir visionné la vidéo. Et puis, si je trouve des slimes, je vous tiens au courant. Allez, ciao, ciao!